Bonjour, bonjour les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un nouveau concours de 2 millions de karma à gagner sur le serveur Telesia à la place de 1 million. Donc forcément, ça sera 60 likes à la place de 30 likes. Franchement les gars, 60 likes c'est pas beaucoup. On peut le faire facilement et tu peux gagner 2 millions de karma. Franchement les gars, un abonnement d'une semaine, il te reste genre 1 million 3 1 million 2. Franchement très très bonne affaire. Donc pour participer c'est super simple, abonne toi sur la chaîne, likez la vidéo et mettez votre nom de votre personnage dans les commentaires les gars. Comme d'habitude on change rien, sauf tu peux gagner 2 millions de karma à la place de 1 million. Donc voilà. Allez, maintenant on passe au astuce karma. Ça dépend de peut-être de brisage, peut-être. Allez, on se retrouve. Bonsoir l'équipe, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce karma classique les gars. Franchement, très 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 bonne astuce karma. Je fais cette astuce karma vraiment souvent les gars et ça part très très bien en ce moment. C'est la feuille de printemps les gars, je vous jure, j'ai vendu des centaines, vraiment des centaines les gars. Je me suis fait beaucoup 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 de karma avec cette amulette là. Regardez, elle est très 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 bonne, de portée, MP à 50 chance, 50 agilité. Bon, les résistances et tout, on s'en fout, les dommages, on s'en fout. Clairement les gars, on va faire FM vitalité, c'est la base les gars. Plus de 100 de vitalité, c'est super facile à faire parce que les gars, les dommages ça coûte 20 je crois, 22 points. Les résistances et tout, on s'en fout. À ce tranche de niveau là les gars, on n'a pas besoin de résistance les gars, on a besoin que de vitalité et tout. La portée c'est très très intéressant aussi. Donc voilà les gars, comme je disais, ça part très très bien. J'ai vendu des centaines et tout. Avant de commencer, j'ai quelques preuves de vente. D'ailleurs les gars, j'ai tout vendu, je n'ai rien en HDV. J'ai vraiment tout vendu. Je vous montre l'épreuve de vente rapidement avant de commencer. Donc on a bon classique, amulette du renouveau, rien de spécial, 220 000 karma. Non les gars, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça c'est pour sur le truc là, sur Draconerox. Je vous montre ça après. Voilà, on a masque ardent les gars qu'on a fait la dernière vidéo, 2 700 000, ça fait plaisir. Anneau manclateur, l'anneau les gars, l'anneau R là, qui est dans les dommages poussés plus R. J'ai vendu les deux, 1 700 000 1 700 000. Amulette du renouveau, donc on a pour 6 300 000. Ça fait vraiment plaisir. Masque ardent les gars, ça part très très vite. Franchement très très bon dans ce karma. Donc voilà, on a pour 6 300 000. Je me suis fait beaucoup de bénéf là dessus. Donc quoi d'autre? Amulette du renouveau, 220. Voilà, et amulette de renouveau plus les gars, masque ardent à fin vitalité. Je me suis fait genre 410 vitalité de plus, un truc comme ça. J'ai oublié de montrer le jeu les gars, pardonnez-moi. Donc voilà, 2 900 000. L'autre je l'ai vendu à 2 600 000 je crois, attendez. Voilà, 2 700 000. Et celle-là, celle-là les gars, 2 900 000. Donc j'ai gagné 200 000 karma de plus. Donc voilà les gars, 3 100 000. Normalement c'est tout pour l'épreuve de vente. Oui les gars, c'est tout pour l'épreuve de vente. Allez, on passe à l'astuce karma aujourd'hui. J'ai déjà acheté tous les ressources les gars. Ça me coûtait 2 100 000. Je vous montre, attendez. Voilà, ça me coûtait 2 100 000 les gars. J'avais 2 800 000. Il me restait 2 700 000. Enfin il me restait 700 000. Donc le craft c'est 2 100 000 pour les 10. J'ai crafté 10. Le craft ça coûte un petit peu cher en ce moment. C'était pas avec le gars les gars. Je crois ils ont changé la recette et tout. Maintenant ça coûte 200 000. C'était genre 100 000 kama, 120 000 kama, un truc comme ça. Gros gros max. Maintenant c'est 200 000 kama le craft pour l'unité. Je parle pour les deux les gars, pour les deux amulettes. Donc voilà. On va crafter les 10 rapidement. J'espère que j'ai rien. J'espère j'ai pas, ça manque pas un truc, attendez. Voilà pour les 10. Voilà les gars, on est bon. Donc putain c'est très très chiant, tu dois crafter une par une, c'est vraiment chiant les gars.
Donc ça va prendre quelques temps les gars, pardonnez-moi. Donc comme je disais, très très bon Asus Kamo à faire les gars, vraiment. Même les masques ardents qu'on a fait la dernière fois, c'est toujours rentable, j'ai un petit peu la flemme de refaire. Vraiment les gars, j'ai plus de 220 millions. 220 000, plus de 220 millions les gars, donc j'ai un petit peu la flemme, j'ai beaucoup de Kamo à abonner et tout. Donc j'ai un petit peu la flemme de refaire. Je peux clairement refaire et c'est toujours rentable les gars. Je vous conseille de faire, tu peux faire genre 1 million de B9 par masque. Franchement c'est beaucoup hein. C'est beaucoup en 5 minutes les gars, même pas 5 minutes. Tu craft, tu mets quelques FM et c'est tout. T'as 1 million de Kamo. Avec le farm les gars, tu dois farmer genre une heure avec 4 persos minimum pour faire 1 million les gars. Alors que une FM les gars, ça prend 5 minutes, sans casse-tête, ni rien du tout. Tu mets quelques runes et si tu as 1 million de B9. Donc je vous clairement conseille de hopper votre métier de forgeron. C'est très 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 intéressant sur le jeu. Donc d'ailleurs il y a même des quêtes qui demandent genre les métiers de craft, les métiers d'FM et tout. Donc c'est très très important de hopper votre métier. Et tu peux le faire gratuitement les gars. Tu peux le faire gratuitement, juste regarder sur YouTube, tu trouverais des vidéos et tout, donc il n'y a pas de problème. Voilà, on a fini les gars, maintenant on va faire quelques FM rapidement. Donc, normalement j'ai tous les runes sur moi, j'espère. Runes, ok. Attendez, on va juste checker, est-ce que j'ai les runes sur moi. C'est pas vente. On peut juste cliquer sur l'amulette. Allez. Donc, l'agilité. Est-ce que j'ai agilité? J'ai plein en banque, les gars. Vraiment, j'ai plein. Donc, j'ai un petit peu la flamme. Bon, les gars. J'ai la flamme. On va checker. On va cliquer sur l'amulette, sur l'FM directement pour voir. J'ai un petit peu la flamme de checker. Donc, j'ai l'hommage. Je vous montre comment on FM les gars, c'est super super facile, tu spam que les runes. Rien de spécial, tu spam que les runes. Donc on va commencer par exemple par celle. Ah, j'ai pas l'agilité, prospection. Donc je vais prendre, attendez, déjà les gars on va fusionner quelques vitalités rapidement. Je vais pas en banque les gars, j'ai super la flemme. Donc je vais acheter directement quelques runes agilité directement ici. Donc je vais prendre genre 200. Oui, normalement on est bon. Voilà, on est bon. Je vais acheter quelques runes agilité. Plus prospection, ça coûte rien. Hein. Ça coûte vraiment rien. Donc, on va juste cliquer sur. On va juste cliquer ici. Donc agilité. Rempart H. C'est 3 normalement, si je dis pas de bêtises, ça veut pas les gars. Bon, ça veut pas. Je ne peux pas voir le G. Bon, je vais acheter ça, je vais acheter 100. Allez, je vais acheter 200, on s'en fout. Prospection. Je vais acheter 100. Et on est bon, normalement on est bon. On va pas compter les gars, on va pas compter les runes. Puisque j'ai en banque. Donc j'ai juste la flemme d'aller en banque. Donc voilà, le craft c'est 2 millions 1. C'est toujours 2 millions 1 pour les 10. Allez, on va commencer directement par celle-là. Donc la chance c'est minimum genre 45 minimum. Je vais mettre 10. Parfait. La portée c'est 2. Les gars, faites attention surtout pour la portée. On va mettre 2 portées. On va mettre quelques restes les gars, c'est juste pour les pouilles. Sinon on s'en fout. Ok. Maintenant, on va spammer quelques runes de vitalité. Oh, la porte ici, ça passe en crit. Yes, les gars, ça passe en crit. Donc, moins 15. Donc, moins 6. Ça fait 45. On a 45 depuis. 45 depuis divisé par 3. Ça fait combien? Ça fait 15. Est-ce que le G de portée et tout? Je vais juste mettre ça. Parfait. Allez, c'est compte. Bon, c'est compte. Toujours moins 3. Je crois qu'on saute le truc là, on va pas compter. Donc on a plus 3 ici. Moins 3, donc on a 0. Mais je vais enlever 3 les gars. C'est juste
par sécurité. Donc 12, on a 12 runes. 12 runes fusion et tout. 120, ah merde, seulement 120. C'est pas grave, franchement c'est pas grave. Le jeu est vraiment correct. Donc voilà, voilà les gars, t'as pas besoin de sauter la portée les gars. Tu peux juste pas... Oh, oh merde les gars, j'ai perdu quelques kamas. Merde, merde les gars, allez, ça lag un petit peu. Ça lag un petit peu. On est clairement rentable les gars, vous allez voir hein. Même si on perd des runes PO, PA, on est toujours rentable, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. 21, 30, je vais mettre 2 ici. 50, je vais mettre... Oh les gars, pardonnez-moi, donc je disais, on a 46, donc on est bon, 2 portées les gars, regardez bien la portée. Des fois tu vois pas, genre il n'y a que 2 portées les gars. Des fois tu penses qu'il y a seulement une portée, donc... voilà, regardez bien la portée. Maintenant, on va spammer les runes. 75. Je vais juste mettre ça. Parfait. Maintenant, on va respammer les runes vitalité. C'est pas grave. 42, non. 45, ok. Allez, 100. Parfait. 100, assez vraiment bien, les gars. Yes, les gars. Donc, le jeu est vraiment cool. Voilà, 47, 47 de portée PA. Plus 101 vitalité. Donc on est bon. Ça c'est fait. C'est pareil les gars. On va juste spammer les runes. On va mettre 2 portées. Allez mais passe putain. Ne vous inquiétez pas les gars. On est toujours rentable. Comme je disais, même on spamme les runes portées et tout, on est toujours rentable. Vous allez voir. Hein. On va faire beaucoup de kamas même. Donc j'ai payé. J'ai payé 2 millions 1. Voilà. J'ai payé 2 millions 1. Vous allez voir. On va être toujours rentable, ne vous inquiétez pas. Je vais remettre ça, c'est juste pour les pouilles les gars. Donc ça, 3, ok, on est bon. Je vais mettre ça. Maintenant, on va spammer les runes vitalité. On doit sauter. Oh les gars, donc voilà, j'avais un petit problème de connexion, donc c'est réglé. On était où? Donc on était ici je crois, je ne sais pas les gars. De toute façon c'est une nouvelle amulette, donc on va faire celle-là. Ça c'est 50. On a fait 3 je crois, 1, 2, 3, oui 3, ça c'est la quatrième les gars. Donc portée c'est 2 portées, parfait. On va juste mettre quelques restes les gars, comme d'habitude pour les pouilles. Sinon on s'en fout des résistances les gars, on s'en fout clairement de résistance. Je vais mettre une, parfait. Maintenant on va spammer quelques runes de vitalité, parfait. Parfait, on a sauté un dommage. Parfait, 100 les gars, on va s'arrêter à 100. Franchement ça va partir sans aucun problème. On passe à celle-là. Je vais mettre une. Donc celle-là c'est la cinquième je crois. De portée, on est bon hein. On va commencer à spammer les runes. Allez 100. Merde, je vais juste mettre celle-là. Parfait, ça passe en crit. Encore 101 s'il te plaît. Yes les gars, on a 2 portées PA. La chance agilité 46 minimum. Donc c'est fait les gars, c'est super facile. Super simple, rapide, sans casse-tête, ni rien du tout. Donc tu peux faire ça en 10 minutes les gars. Clairement en 10 minutes. Allez c'est compte. Celle-là 49. Parfait. Donc on a une portée. Je vais mettre 2. Parfait. Parfait. 49. Deux portées. Je vais spammer les runes maintenant les gars. Voilà. Tout simplement 70. Allez, 75, 100, yes, allez, 115, yes, les gars, 115, c'est vraiment top. Donc, ça, c'est fait, tout ça, c'est fait, les gars, 2, 4, 5, on passe à la sixième. C'est pareil, les gars, je crois, je vais stopper, je vais faire la dernière, les gars, après, je stoppe la vidéo, sinon, c'est répétitif, hein. C'est répétitif, rien de spécial, allez, passe. Je vais mettre 2 runes, maintenant 10. Parfait. Oh la portée. Enfin le PA, c'est ça passe en crit. Non, bien sûr que non les gars. Bien sûr que non. J'ai pas de chance. Ne vous inquiétez pas.
Si c'était toi, les gars, ça passerait directement sans aucun problème. Moi, j'ai pas de chance, donc voilà. Allez, 100, 100, yes, 115, c'est fait. Bon, les gars, je vais faire les trois qui restent et on se retrouve juste après. Bon, les gars, donc voilà, c'est fait pour les trois qui restaient. Donc, en général, les gars, j'ai fait 100, 100, 100 de plus, les gars. Voilà, 103, 110, 115, 101, 106, 101, voilà, 126 et 102. Et ça, là, les gars, 113 de portée PA, plus 47 chances, 47 agilité. Donc, des jets qui partent, les gars, 100% sans aucun problème. Donc, j'ai payé 2 millions 1 pour les 10, les gars. Bon, je vais pas vous mentir, ça coûte un petit peu cher si t'as pas des runes et tout, puisque la portée, tu dois mettre deux portées et tout. Des fois, le PA saute et ça passe pas en crit, donc tu perds quelques kamas. Si t'as pas beaucoup de kamas et tout, c'est un petit peu chaud, les gars. Je vais pas vous mentir, pardon. Mais si t'as beaucoup de kamas comme moi ici, avec beaucoup de runes, les gars, c'est super, super rentable. Donc, vous allez voir, j'ai payé 2 millions 1 pour les 10 équipements. Je vous montre d'ailleurs mon HDV, c'est vide. Vous allez voir. Normalement, c'est vide. Hein, si je dis pas de bêtises. Ah, il me restait 3. Il me restait 3 amulettes, les gars. C'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Ça va partir. Hein. Ça part tranquillement, mais ça part. Je vais pas changer les prix et tout. Ça part. Donc, on a les gars, ça coûte 400 déjà. Ça coûte 400. Ça coûte 400 FM vitalité, ça coûte combien? 420. Il n'y a pas, la chance et tout. Ça peut partir, les gars, pour les gens âgés. Ça peut partir, franchement, ça peut partir. Donc, on a 120. 120. Bon, je vais le mettre, les gars, je vais le mettre 460. On s'en fout, je vais le mettre à 460. Donc, 4, 5, 9, 9, 9, 9. Ça va partir. Donc voilà, 460 les gars, fois 10, ça fait 4 millions 6. Divisé par 2 millions 1, ça fait 2 millions 5 de BNF les gars. 2 millions 5 de BNF rapidement. Allez, on va enlever les gars. Allez, on va enlever 500 000. Même pas, ça coûte clairement même pas de 500 000. Des runes les gars avec les PA. Les PO et tout, on va enlever 500 000, c'est pas grave. Malgré que le PA coûte 30 000, comme moi, j'ai pas dépensé des PA quand même. J'ai dépensé genre 2, 3, 3 grands max. Mais allez, on va enlever 500 000, comme moi. Des runes, donc on a 2 millions de BNF, les gars. 2 millions de BNF, vous imaginez. Et ça part très très bien, les gars. Ne vous inquiétez pas, ça part très très bien sans aucun problème. Donc voilà, voilà, les gars. L'astuce Kama d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à abonner sur la chaîne pour le concours de 2 millions de Kama. Et n'hésitez surtout pas à abonner sur la chaîne, les gars, pour d'autres astuces Kama. Merci, les gars, d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.